après l'euphorie du gouvernement congolais, les interrogations de l'opposition. Cette dernière jette un pavé dans la mare de l'annonce de la découverte d'un gisement de plus de 9000 m² dans la région d'Oyo. C'est surtout le timing et la forme qui intriguent l'opposant Pascal Tchati Mabiala. Ce résultat, le... Le président se garderait bien à ce stade de donner quelconque avis sur ce gisement et de le garder en mémoire. Et lorsque toutes les données auront été apportées au président, à ce moment, le président solennellement, il annoncerait, même en disant, dans quelques mois, nous allons voir sortir le premier baril de pétrole, nous allons voir partir les premières cargaisons, nous allons voir arriver au trésor les premières entrées financières. À ce stade, ce n'est pas évident qu'on soit en mesure de le dire. C'est pourquoi on a dit, pourquoi cette annonce précipitée? Une précipitation qui fait redouter à l'opposition congolaise un nouveau camouflet pour le pays. Nous sommes peut-être à l'abri d'une autre déconvenue en ce qui concerne le pétrole. Vous savez, il y a tellement d'enjeux sur le pétrole. On peut nous dire que les réserves ont été surestimées, qu'il y a beaucoup de difficultés. Bref, je ne suis pas du domaine, donc je ne peux pas aller plus loin, mais je dis simplement que le président aurait pu attendre un peu avant que ce soit lui-même qui annonce cette découverte. D'une capacité annoncée de 983 000 barils jour, le delta de la cuvette devrait permettre au Congo, troisième producteur africain de pétrole, de quadrupler sa production.